Aïe, aïe, aïe. Coucou. Les amours de Lolo. Ouais. Waouh. Oh là 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 là. La journée est lourde pour moi. Je me sens tellement fatiguée. Tranquille. Aujourd'hui, on fait un petit direct au naturel. Aujourd'hui, c'est la journée du naturel. Les femmes ne doivent pas se maquiller aujourd'hui. On doit sortir naturel, se montrer naturellement. Voilà. Ça ne coûte rien. Tranquille. Youssouf Sanogo, comment vas-tu? J'espère que vous vous portez bien. Je ne sais pas, c'est quand je fais direct, les gens m'appellent tranquillement. Parce que je voulais parler d'un petit sujet un peu rapide ce matin-là. C'est une vidéo un peu naturelle. Si vous aimez le naturel de Lolo Beauté, la Go Crayon, c'est un tatouage, hein? Donc voilà, la Go Crayon, mais t'as assez de cœur. Non, Mariam, je ne mets pas de rouge à lèvres, je ne mets rien. Je me montre naturelle. Au teint naturel, ben mon teint même là, ça parle déjà pour moi. Tranquillement. Donc avant de faire le direct, oui, avant de faire le direct, je voulais laisser une information pour les femmes qui m'appellent pour me dire Lolo Beauté, tu seras à Paris, on a besoin de produits naturels, parce que moi mes produits c'est plus naturel, on a besoin de produits et profiter des pourcentages de 25%. Donc ne vous inquiétez pas, dès que je foule mes pieds à Paris, je vais vous donner mon numéro. Donc tranquillement, tranquille. Ah oui, les garçons, est-ce que vous êtes là? Ah mais ça, moi, les hommes aussi là. Ils ont besoin de voir leur compagne naturelle. Parce qu'il y a des femmes là, elles ont honte de se montrer à leur copain de manière naturelle. Ma chérie, garçon que tu as envie de vivre avec lui, tu as envie de partager sa vie, tu as envie de le rendre heureux. Ma chérie, c'est pas à chaque recoin de la rue que vous allez vous donner rendez-vous, tu vas te maquiller puis tu vas venir. Souvent là, il faut te montrer naturellement. Un homme doit t'aimer pour ce que tu es et non pour ton physique, tranquillement. Il y a une fille qui vient de m'écrire pour dire Lolo Beauté, franchement, quand je fais l'amour avec mon chéri, j'ai honte de me montrer nue parce que j'ai des petits seins, ma chérie. Le gars, il a dit qu'il est fan de toi. Il doit savoir à, il doit te prendre tel que tu es. Ton physique n'a rien à voir. Il y a des femmes qui sont handicapées, mais qui ont des hommes dans leur vie, qui ont un homme plutôt dans sa vie, parce que l'homme l'aime pour ce qu'elle est. Aujourd'hui, là, on est tellement dans une dimension, franchement, où tout est faux, que l'homme même après a tendance même à se voir en faux. Un homme qui t'aime, il doit t'aimer tel que tu es, tel que tu te présentes à lui, tel que, comment je te dis, si tu n'as rien, il doit t'aimer pour ce que tu es. Tranquillement, c'est vice-versa. Les femmes aussi doivent aimer aussi les garçons pour ce qu'ils ont et non pour ce qu'ils ont dans la poche. Tranquillement, tranquillement, quand c'est dit la vérité, puis quitter ici. Parce qu'il y a des filles, là, quand on leur dit bonjour aujourd'hui, tranquillement, elles vont courir, aller se maquiller, aller mettre fond de teint, mettre rouge à lèvres et puis courir, venir voir le garçon. Je vais vous apprendre que les garçons d'aujourd'hui, là, les garçons qui ont besoin franchement d'un vrai foyer pour mettre femme à la maison, là, ils sont fous du maquillage que tu mets. Ils sont fous de l'artificiel que tu mets, tes crayons, tes rouges à lèvres, voilà tes tresses que tu fais. L'homme a besoin de voir une femme naturelle, ton physique naturel, même sans soutien. L'homme doit t'aimer pour ce que tu es. Il doit te voir, un, bien maquillé quand tu sors. Il doit te voir, deux, naturel quand tu aimes. Parce qu'il y a des personnes qui sont en Europe et ils draguent les femmes ici en Afrique. Mais les femmes, là, dès que le garçon met sa caméra nette, un coup, elle est censée maquiller. Ah, il faut qu'il me trouve bien jolie, ma chérie. Un garçon, si il t'aime, là, enlève maquillage. Et puis montre-lui l'être créé par Dieu de manière naturelle. Tu lui montres ça comme cela. Et puis vous causez. Aujourd'hui, je suis en train de délivrer les femmes qui aiment trop maquillage, là. Elles se maquillent jusqu'à elles sont fatiguées. Moi, quand je pose mon crayon, je mets mon rouge à lèvres, je suis partie. Parce que j'ai dit, je suis une femme d'affaires, je n'ai pas le temps de prendre trop soin de moi tranquillement. Donc soyez naturelles les femmes.
Soyez naturel. Les filles qui viennent vous blaguer pour vous dire non, il faut mettre crayon, il faut faire tes sourcils, il faut mettre tes faux cils, il faut être pimpante, c'est bien beau. Mais arriver à une dimension, quand les rapports entre toi et l'homme commencent à prendre de l'ampleur, il faut qu'il te voie naturellement. Sinon, un beau matin, le monsieur va fuir. Parce qu'il y a des femmes, là, quand tu les croises, un maquillage, là, tu les vois bien belles. Mais matin, le gars va finir de te chiner, que vous savez ce que tu parles la nuit. Matin, il va se réveiller, quand il regarde ton visage, même, il est déçu. Il dit, mais ces femmes, celles-là, j'ai couché avec elles hier, là. Tiens, c'est comme ça, elle est vilaine. Non, tranquille. Donc, montrez-vous naturel. Soyez naturel. C'était le petit coucou de Lolo Beauté pour vous donner un conseil parce que les femmes aiment trop miser sur les physiques. Il faut que je sois belle. Il faut que je mette mes ongles, mes faux ongles. Mais tant, on est devenu trop artificiel. Les garçons, maintenant, ils ont peur de nous. Parce que quand ils croisent une femme dans la rue, ils se demandent le matin à quoi elle ressemble. Et ça devient un mythe, souvent même un mirage. Donc, ça fait peur. Tranquillement. Donc, c'était le petit coucou de Lolo Beauté, le temps que je me prépare maintenant pour aller au travail. C'était qui? Maurice. Ouais, Lolo Beauté. On dit quoi? Je suis venu pour le boulot. Donc, tranquillement, tranquille. C'était le petit... Ma mine n'est pas serrée. Oh là là. Ma mine n'est pas serrée. Ma mine est naturelle. Tranquillement, tranquille. Sans maquillage. Voilà votre Lolo Beauté. Ceux qui veulent faire capture d'écran, là. Mettez capture d'écran. Et puis voilà votre Lolo Beauté. Plus naturelle. Tranquille. Si les hommes aiment ça, là, c'est qu'il n'y a rien face. C'est maïs. Tranquillement, tranquille. Maintenant, les femmes, là. J'espère que vous êtes mis dans la propriété, hein. Tranquillement, parce que là je suis dans mon salon comme cela. Là je suis dans mon salon. Il y a d'autres qui ont dit mais Lolo faut nous montrer ta chambre. Non, il y a déjà fait vidéo dans ma chambre. C'est ouais. Donc la maison doit être propre, clean, chic. Vous voyez mon portrait derrière. Une maison doit être propre. Ça doit sentir bon. Ça doit sentir le naturel. Ça doit sentir la joie de vivre. Parce que là où tu mets ta tête, là, c'est là ton âme est. Regardez, ma soeur veut me taper. J'étais d'abord matin. Là. J'étais d'abord matin. Donc, tranquillement, c'est la bonne humeur. Je vous aime, je vous adore. Tranquille, cette vidéo ne va pas rester parce que je vais la supprimer. Voilà, je vais très vite la supprimer et puis faire le frais direct plus tard. Tranquille. Maintenant, celle qui adore ma coiffure, là, je vous apprends que j'ai un institut de beauté à Angrais 7e tranche. Donc, celles qui veulent se faire belle, se tresser, voilà, il n'y a pas de souci. Vous pouvez passer, vous pouvez appeler ma secrétaire attitrée Angeline au plus 225 47 46 44 79. Tranquillement, tranquille. La secrétaire de toute la famille. Tranquille. Mariam Damé, comment vas-tu? Elle dit tu me plais trop. Ah oui, c'est ça. Dans la vie, il faut être naturel. Faut pas te compliquer la vie. La vie, elle est très simple. C'est l'homme même qui se complique la vie. Et tellement qu'on se complique la vie, on voit que la vie même est dure. Oh, la vie, elle est très simple. Faut vivre selon toi-même. Parce que le diable, c'est les autres. Quand on veut vivre en fonction des autres, ma chérie, tu n'es plus toi-même. Tu es à l'image des autres. Tranquille, moi je vis selon ma conviction, selon mes moyens, selon mon intelligence, selon ce que je veux. Voilà, je m'en fous de l'opinion des autres parce que le diable c'est les autres. Tranquillement, tranquille. Voilà, Socom JP, il dit merci. Si les femmes pouvaient suivre tes conseils, le monde allait vraiment changer. Le monde va changer tranquillement. C'est parce que nous les femmes, on a peu confiance en nous-mêmes. On a peu confiance en nous-mêmes. Voilà pourquoi on veut copier les autres. Or, dès l'instant qu'on veut copier les autres, on prend tout ce qui est mauvais. Voilà, tranquillement. Aujourd'hui, je vais répondre un peu aux questions. Posez-moi des questions, je vais vous répondre. Aujourd'hui, j'ai envie de causer. À part conseil aujourd'hui, on cause un peu. Youssouf Traoré, comment vas-tu? Je vais être obligatoire. Miss Nénette. Ah, la mienne, c'est de cœur. C'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Voilà. Mais je ne vois pas vos questions.
Ah là 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 là, j'ai envie de causer seulement, parce que la vidéo ne va pas rester. Je veux causer. Mon ami, il y a quoi? Il faut te calmer là. Je cause avec mes vrais fans. Pas avec les hypocrites. Bye, Baraji. Merci, c'est gentil. Jaffa, pardon, tu m'excuses. Comment vas-tu? Posez-moi question. Là, moi, c'est la connexion qui retarde comme cela. Je viens à peine d'arriver et tu pars. Je suis encore là. Eh, Siloué, il me demande, les femmes matérialistes, est-ce que ça existe, mon ami? On respire femmes matérialistes. Quand tu es au WC même, c'est femmes matérialistes. Voilà, parce qu'aujourd'hui, là, nous les femmes, là, ouais, nous les femmes, là, on aime trop tout ce qui est matériel, tout ce qui est matériel, tout ce qui est matériel. Voilà, donc, évitons ça tranquillement. Lolo, dis-moi, je fais les mèches naturelles. Comment commercialiser sur la Côte d'Ivoire? Essaie de trouver quelqu'un de confiance, essaie de trouver des partenaires et puis voilà, lance-toi dans les affaires. Les affaires, ce sont les affaires. Voilà. Tranquille. Elle dit, Lolo, ma peau ne prend pas le lait. Tu as acheté quel lait? Parce que chaque personne a un type de peau. Parce que souvent, parler un peu là-dessus, tout le monde n'a pas le même type de peau. Tout le monde a sa peau. Voilà. Donc, quand tu viens dans une institut et que tu dis, Lolo, j'ai besoin d'un produit, laisse la personne qui fabrique le produit te conseiller. Parce que généralement, quand les femmes viennent, elles disent, non, moi, je veux juste un lait pour mettre sur ma peau. Or, le travail que le savon fait, le lait ne le fait pas. Ce que le gommage fait, le lait ne le fait pas. Ce que les huiles, parce que les huiles qu'on met les soirs, c'est pour nourrir la peau. Parce qu'on a remarqué qu'aujourd'hui, les femmes font trop de produits éclaircissants chimiques. Donc, la peau prend un coup. Aujourd'hui, les hommes ont envie de voir les femmes belles. Que tu sois noir, un noir ciré. Que tu sois clair, un clair propre. Mais aujourd'hui, les hommes détestent les femmes qui mettent les produits parce que ce sont les produits trop chimiques. À force de mettre les produits chimiques, ta peau sent. Quand il y a le soleil seulement, ta peau sent. Voilà. Donc, il faut éviter ça. Quand tu viens à l'institut, conseillez-moi les vrais produits. Je vais vous dire un secret. Vous savez pourquoi quand je fais mes vidéos, les gens ont peur de moi, ne veulent pas s'attaquer à mes produits parce qu'ils savent que je fais les meilleurs produits Europe-Afrique. Donc, sur ce côté-là, ils ne peuvent même pas attaquer. Même les concurrents, même quand ils essayent là, même on ferme leur bouche, on dit laissez ça, c'est la meilleure, tranquillement. Parce que même si tu as envie de devenir métisse, tu deviens métisse avec une peau très ferme. Quand on te tape là, il n'y a pas rougeur qui sort. Ta peau est nette, propre, tranquillement. Liliane dit je t'attends à Paris. Oui, j'arrive à Paris très bientôt, tranquillement. Combo me demande comment rendre une femme heureuse. Mon ami, les femmes ne sont pas compliquées. Ah oui, tu n'as pas besoin de grands moyens pour rendre une femme heureuse. Mon ami, quand tu aimes une femme, il faut lui dire la vérité. Si elle t'a accepté telle que tu es, tu l'as déjà rendue heureuse. Tu n'as pas besoin de grands efforts. La femme aussi aime qu'on la respecte. Si tu la respectes, elle va te valoriser. C'est tout. Faut pas aller chercher trop loin. Femme qui aime beaucoup, beaucoup d'argent, là, ce n'est rien. Voilà. Tranquillement. Youssouf me demande, Lolo, est-ce que tu es marié? Oui, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Ma première fille a 15 ans, la deuxième a 12 ans, mon dernier, il a 9 ans. Donc, voilà. et si ton mari voit ton physique et insulte ton physique? Les personnes qui aiment tout le temps en train d'insulter les physiques des autres, là, c'est des personnes qui ont peu confiance en eux-mêmes. Mm-hmm. Voilà, c'est des personnes qui ne valent rien. Parce que moi, quand je fais mes directs, et puis les personnes disent, Lolo, regarde comment tu es, je m'en fous. C'est le pauvre qui aboie, tranquillement. Est-ce que quand je sors, quand je monte dans ma voiture, j'allume la clim, c'est quelqu'un qui vient payer mon carburant. Donc, ma chérie, ce que les gens racontent sur toi, faut dire, je m'en fous. Soit c'est les PD, soit c'est les lesbiennes. Elles ne savent pas comment te trouver, donc ça leur fait mal. Donc, évolue.
Les personnes sont toujours là sur les réseaux sociaux. Regarde tes sourcils. Ça, c'est ma signature de mon compte bancaire. Voilà pourquoi je prends avion comme je fais. Aïe, chineke. Aïe. C'est le crayon qui me rend populaire. Tranquillement, tranquille. Donc, la personne qui insulte ton physique, là, c'est que la personne t'envie. La personne a envie de prendre ta place, mais la personne ne sait pas comment. Donc la personne est gris, ça lui fait mal. Donc il s'attaque à ton physique, nous on ne répond pas à cela. On les appelle le chien à bois, la caravane passe tranquillement, tranquille. Que penses-tu de la dépigmentation, mon frère? Jean-Paul, moi-même je suis syndicat de tchat, mais le tchat naturel. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui ont raté leur vocation, surtout ici en Afrique, là, elles se mettent aux produits. Elles se vont prendre des produits chimiques, elles mélangent et disent aujourd'hui que oui, je suis esthéticienne. Quelqu'un peut avoir une peau noire, devenir clair, c'est son choix. La vie là, c'est un choix. La peau de quelqu'un là, c'est un choix. Si tu veux être noir, tu restes noir, tu entretiens ton teint. Si tu veux être clair, tu restes clair. Mais adopte des produits naturels, fiables, qui vont nourrir ta peau et non la détruire. Parce que dès l'instant que l'épiderme de ta peau est touché, ma chérie, c'est grave. Et je vais vous apprendre et vous donner un secret. Les personnes qui vendent les produits, même moi-même, vous pouvez porter plainte. Parce que quelqu'un qui te vend un produit et que ta peau est gâtée, je vais vous apprendre qu'on peut porter plainte. Ce n'est pas parce que Lolo Beauté font les produits que je vais vous cacher le système. Je vous montre le système. Quelqu'un vous a vendu un produit et que ta peau est gâtée, va te plaindre tranquillement. Elle va faire sortir ses diplômes qui lui ont permis de vendre ces produits-là. Parce qu'aujourd'hui, là, tout le monde se lève, je vends produits. Moi, j'ai mes diplômes. Donc, quelle que soit la personne, j'entretiens les femmes même des ministres. De président, parce qu'on me déplace pour m'envoyer dans un pays pour me couper d'une femme présidente. Donc aujourd'hui, imaginez que je gâte sa peau. Qu'est-ce qu'elle va me faire, cette femme-là? Donc aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a faim, on va s'élever pour dire que je vends produit. Si tu es noir, reste noir. Parce qu'il y a des femmes qui viennent dans mon institut pour dire, Lolo, je suis noir, mais j'ai envie de devenir blanche. J'ai dit, ma chérie, l'argent là, je cherche, hein, mais je vais t'apprendre que j'ai assez d'argent. Mon compte en banque, on appelle ça blindé. Mais ma chérie, tu es noir, reste noir. Je préfère traiter les femmes de peau claire qui ont gâté leur peau. Parce que moi, on m'appelle réparatrice de peau gâtée. Je préfère réparer ces gens de peau. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui utilisaient des produits éclaircissants et puis elles se retrouvent avec des phares, avec des mains. Les mains, là, regardez mes mains. Il y a des femmes, là, elles ne peuvent pas faire ça. Parce que les mains, là, c'est noir. On appelle ça deux tons, anaconda. Donc, je suis là pour rétablir les femmes qui ont les végétaux, tout ça, là. Voilà pourquoi je m'appelle syndicat de tchat. Tu restes clair, mais ta peau ferme, rétablie. Tranquillement, tranquille. J'attends les questions. Oui, cocotier du désert. Je serai en Italie aussi. J'ai fait 2 jours en Italie, 2 jours à Londres. Oui, il me demande, Ouattara, il me demande, je veux savoir si tu as dépigmenté ta peau. J'étais pas claire. J'étais très noire. Mais j'ai fait un choix. J'ai dit, j'ai envie de devenir claire. Un teint clair banane. Et j'ai eu ce teint clair banane. C'est ce que je dis. La vie, c'est un choix. La peau de l'être humain, c'est un choix. Si tu décides de devenir clair, il faut assumer. Si tu as gâté ta peau, tu vas mourir avec ça. Si tu as arrangé ta peau aussi que c'est joli, les gens aiment. Les gens vont aimer. La vie, c'est un choix. Tranquillement. Oui, Jackie. Je serai chez Jackie à Londres. 3 jours. Voilà. Mais je ne conseille pas aux femmes. Je ne conseille pas aux femmes de se dépigmenter la peau. Faites très attention. Les vendeuses de pommade, on est beaucoup et puis on a la bouche très sucrée. Ce n'est pas parce que Lolo Beauté vend pommade que tu as venu dire que Lolo, oui, les pommades c'est bon. Il y a beaucoup de femmes là, elles mettent des produits chimiques. Je vais vous apprendre et puis vous dire une chose. Il y a des personnes qui vendent des produits. Et puis elles disent que oui, moi mes produits là c'est 100% naturel. Faut dire Lolo Beauté dit que tu es une menteuse. Il n'existe pas de produits 100% naturels.
un produit même là, même si c'est 100% naturel là, ma chérie, il y a 2% de produits chimiques qui vont rentrer en compte des lignes pour juste conserver ta matière. Donc il n'y a pas de produit 100% naturel. Forcément un produit chimique va rentrer dedans. Donc arrêtons de mentir aux clientes et puis dites-leur, on doit leur dire la vérité. Tranquillement, moi j'ai dit la vérité, ben, ah oui. Ben, aujourd'hui, je suis au naturel et puis je dis la vérité. Ben, parce qu'aujourd'hui, là, je n'ai plus peur de bouche de quelqu'un. Les gens m'ont tellement insulté, mais j'ai compris que c'est parce qu'ils ont envie d'être à ma place. Ils ont envie d'être célèbres comme Lolo Beauté. Mais tranquillement, tranquille, la célébrité ne sourit pas à tout le monde. Quel genre de gamme peux-tu conseiller pour avoir une peau claire simple? C'est les genres de peau qu'on appelle peau... Juste entretenir ta peau. Parce qu'il y a des femmes qui sont claires. Elles n'ont pas envie de dépasser. Elles ont envie de nettoyer leur peau. Même, je vais vous apprendre que même les blanches, elles mettent des produits sur leur corps. Pourquoi? C'est pour entretenir leur peau. C'est pour protéger leur peau. Parce qu'aujourd'hui, là, leurs peaux sont beaucoup attaquées. Donc, il y a des personnes qui sont claires qui disent, Lolo, j'ai envie de juste entretenir mon teint. Moi, j'ai plusieurs gammes de produits. Je ne suis pas les vendeuses de pommades 2 à 5 francs, là. Elles mettent les pommades sur une table et puis disent, oui, voilà. Moi, je vends avec les gammes de produits. Et dans la gamme, il y a le savon, il y a le lait, il y a la crème de visage, il y a la lotion et il y a le gommage. Donc, si tu as envie de juste garder ton teint, je vois ta peau et puis je te conseille tranquillement. Oui, mais tu peux porter plainte parce que il faut faille bien dire pourquoi porter plainte. Oui, c'est possible. Parce que c'est pas tout le monde qui est habilité à fabriquer tes produits. Ah oui, aujourd'hui en Afrique, les gens ont faim. Ils se réveillent matin, ils vont au marché de n'importe quoi. Ils prennent deux ou trois produits remplis d'hydroquinone et de cortisone. Ils font un petit mélange et puis ils donnent. Imaginez, moi, je vais chez une esthéticienne et puis je te dis que oui, j'ai envie d'arranger ma peau. Et tu me donnes un produit où j'ai des mamies. Mon corps est gâté, mais je porte plainte contre toi. Et je prends mes avocats. Arrivé à la justice, tu vas me délivrer les papiers et les études que tu as fait, les diplômes que tu as eu pour que tu puisses. Ça d'abord, il faut avoir ça d'abord. Tranquillement, tranquille. Et il y a des femmes qui n'ont même pas ça et qui se lèvent comme ça. Vous voyez pourquoi moi je parle? Parce que je sais sur quoi mon pied assis. Parce qu'aujourd'hui, si on dit Lolo Beauté, je n'ai jamais eu de problème. Donc la personne qui a s'élevé, parce qu'il y a des jalouses là à côté là, quand elles voient que ton affaire marche trop, elles essaient de te créer des problèmes. Mais je mets au défi ces femmes. Allez-y, portez plainte pour dire voilà, on va prendre mes produits et puis on va tester. Parce qu'il y a des femmes qui viennent à l'institut pour dire Lolo Beauté, j'ai déjà mon lait. Je veux que juste tu mélanges mon lait et puis je vais mettre ça sur mon corps. Quand je prends le lait, j'ai des papiers pH que je teste. J'ai dit, mais dans ton produit là, il y a hydroquinone dessus. Elle dit non, il n'y a pas d'hydroquinone parce que ce n'est pas marqué sur l'affiche. Mais je vous dis, quelqu'un qui a envie de vendre son produit, il va te écrire ce que toi tu as envie d'entendre, ce que toi tu as envie de voir. Mais lui, il sait ce qu'il a mis dans son produit. Donc il faut toujours tester un produit et avant de l'utiliser, c'est très important. J'attends vos questions. Pourquoi vous êtes arrêtés? Oh, lui, je suis là. On appelle ça vérité, face à face. Tranquillement, tranquille. Même les jaloux peuvent prendre place au débat parlementaire. Attends, je vais voir les anciennes questions. Un Jean-Paul Roland dit, pourquoi Lolo Beauté, tu étais noir, tu es devenu clair et tu empêches les femmes noires de devenir claires? Je vais t'apprendre que avoir une peau claire, c'est un budget. C'est déjà un. C'est pas parce que je vends produit, je vais venir faire croire au Père Noël aux gens. Quand tu es noir et que tu veux devenir clair, ma chérie, il faut avoir un salaire solide. Faut pas aller prendre le produit 2 à 5 francs là. Parce que c'est déjà un budget. Faut pas commencer une course que tu ne pourras pas terminer demain. Donc quand tu viens, je te dis, ma chérie, tu as une très belle peau noire. La peau noire, c'est la meilleure des peaux. Donc, il faut arranger soit un teint café au lait, tu es bien chic dans ta peau et puis voilà, ça passe. Pourquoi devenir forcément clair? Aujourd'hui, c'est vous-même les propres hommes là. Vous-même les propres hommes qui venez parler ici, que oui, on est contre la dépigmentation. Mais quand vous voyez femme claire passer là, vous bandez déjà. Donc, arrêtez de venir nous faire croire au Père Noël là. C'est vous-même les hommes là qui encouragez les femmes à mettre les produits sur leur corps. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce qu'une femme noire passe là, deux hommes vont la regarder. Mais une femme claire, bien chic, de la tête aux pieds, passe là,
10 hommes vont retourner leur tête pour la regarder. Donc les femmes noires vont se sentir frustrées pour dire ah bon. Donc pour avoir un homme, il faut être forcément clair. Mais je vais vous apprendre que c'est un plan du diable. Tu peux être noir, garder ton teint noir et avoir un bon homme. Parce que le teint noir, je signe et je confirme, c'est le meilleur teint. Arrange ton teint avec le beurre de karité métisse. Tu arranges, c'est pas pour devenir métisse, c'est pour juste entretenir ton corps. Tu arranges ça bien, ma chérie, tu gardes ton teint. Et puis voilà, tu es devant, tranquillement, tranquille. Ah oui, j'attends encore les questions. Ah là 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 là. Mais la connexion déconne un peu. Il dit salut Lolo depuis le Gabon. Je t'apprécie beaucoup ma chérie. Avec toi, ça sort comme ça sort. Mais oui, il faut dire la vérité telle qu'elle est. Voilà, ça ne coûte rien. Oui, oui, c'est dans ma chambre. Voilà, tranquille. Oh, la connexion. Je vois pas trop les questions. Parce que vous les garçons, vous ne pouvez pas terminer. Vous voulez vous tcha, mais vous ne pouvez pas terminer. Ce garçon peut frotter pommade matin, midi, soir. Tu peux pas, donc faut laisser. Prends un bon savon parce que c'est sûr que tu puisses te laver. Tu te laves très bien ton teint, bien chic, bien ciré. Et puis voilà, tu es devant, tranquillement, tranquille. Voilà, femme de vérité, j'adore mon choix. Mais oui, la vie c'est un choix. Hein? Wani me demande tes gammes coûtent combien, ça dépend. Ouais, désolé. Combien coûte une gamme de produits pour peau noire? Ici à Abidjan, ça coûte 40 000 francs. En Europe, ça coûte 135 euros. Parce que les produits d'Abidjan sont carrément différent des produits de, comment on appelle ça, de l'Europe. Parce qu'en Europe, il y a le calcaire qui est dans l'eau. Le blanc, lui, il a créé son eau pour bronzer la peau. Donc, nous, les noirs, quand on arrive en Europe, c'est difficile de se retrouver avec les produits du blanc. Donc, voilà pourquoi les produits qu'on doit faire pour amener, comment on appelle ça, en Europe, on doit avoir des anti-calcaires, voilà, pour nettoyer la peau, pour ne pas que la peau soit tout enfermée. Vous allez remarquer qu'en Europe, les peaux des femmes sont tout le temps fermées à cause du calcaire. Donc voilà pourquoi dans les gammes de l'Europe, je mets toujours et toujours et toujours le gommage. Là, à la maison, tu peux, comment on appelle ça, faire ton gommage, toi seul à la maison, tranquillement, tranquille. Marie-Paula, si je parle trop, tu fais quoi ici? Tu peux lever tes fesses ou tes seins et puis passer à côté. Parce que ici, là, c'est la page de Lolo Beauté et je suis la reine de ma page. Tranquillement, tranquille. Voilà. Tu es très chou, Lolo Beauté. Merci, Cathy. Belle peau noire. J'adore, ma chérie. J'attends vos questions. Ben oui, hein. Quand on dit que quelqu'un parle mal, là, c'est moi. Tranquillement, tranquille, on m'appelle Lolo Beauté, la go crayon. Aïe, tranquillement, tranquille. Jackie, c'est les jalouses. Elle veut prendre ma place pour être populaire, mais elle peut pas. Aïe, même avec les sourcils, c'est-à-dire je rase mes sourcils chaque matin, mais je tja. Aïe, la fossette. Ah! Oui, il dit Lolo Beauté. Il dit quoi même? J'adore la peau noire. Oui, Sony, il faut adorer la peau noire parce que c'est la meilleure de peau. C'est la meilleure de peau. Voilà. Quand tu es noir, il faut rester noir, chic et belle. Tranquillement, tranquille. Il n'y a rien de tel. Ah! Eva Tra, elle ne répond pas, maman. Ce sont les jaja. Les jaja. Comment avoir accès à tes produits? Mais pour avoir accès à mes produits, il faut me contacter. Il faut me contacter. J'ai plusieurs coins où je vends. Voilà, je vends en Europe, c'est-à-dire à Paris, à Londres, aux États-Unis, à Abidjan. Donc, en fonction de l'endroit où tu te trouves, voilà, tu me dis, Lolo Beauté, je suis à tel coin. Maintenant, si tu es dans un coin où tu n'y a pas de représentante, il n'y a pas de souci. En Europe, on peut poster. Donc, tranquillement, tranquille, on peut poster partout. Donc, peu importe.
importe l'endroit où tu te trouves, tu payes ta gamme, tu payes tes frais de poste et puis voilà, on t'expédie. Dis-moi, tu as un secret puissant contre les végétus. Je vous apprends que les végétus, sauf au laser, les végétus ne pourront jamais partir. Mais il y a un produit qui est conçu pour diminuer les végétus. Donc quand tu as les végétus, hein, ne t'embrouille pas. Cherche simplement, hein, à diminuer tes végétus et puis voilà, la vie continue. Tranquillement, tranquille. Lolo, beauté, je veux goûter ton piment. Piment là, c'est quoi? La gamme de Lolo Beauté est composée de plusieurs produits. Voilà, il y a le savon, il y a le lait, il y a la lotion, il y a l'huile et il y a la crème de visage et surtout le gommage. Tu vends où à Paris? J'ai 3 représentants à Paris. Donc, si tu veux le contact d'une représentante ou bien le grossiste, tu m'écris en inbox, je te donne le numéro. Tranquille. Aïe, on dit, je fais mal à beaucoup de personnes. Suis les merveilles, Benidi, elle est à Abidjan. Bon, à Abidjan, je ne me fatigue pas. Mon institut est aux 2 plateaux, 7e tranche. Vous appelez le 47 46 44 79. Voilà, on vous indique l'institut et puis vous passez. Voilà. Oui, vous pouvez commander sur internet, vous pouvez passer votre commande. Vous m'écrivez en inbox, voilà, je vous donne tous les détails. Pour les produits, écrivez-moi en inbox, parce que les garçons ne sont pas là pour écouter notre affaire de produits, là. Moi, je veux ta marque tranquillement, tranquille. Les polos, oui, les polos sont là, tranquillement, tranquille. Les polos, je les ai fait sortir, voilà. J'ai un sujet que je voulais parler de ça. Vous vous souvenez de la femme veuve que j'ai filmée et puis demandé de l'aide pour qu'on puisse construire sa maison. Alors, je vous apprends que c'était quand même avant qu'elles ont fait la peinture, non? Je vous apprends que la peinture a été faite. La femme dort dans sa maison, mais moi, je parle avec des preuves. Je vais arriver à Yopougon. Filmer, parce que je dois partir sur Paris, donc avant de partir à Paris, je vais filmer la maison qu'on a construite ensemble, vous montrer que chaque personne qui a amené ne serait-ce que 5 euros, 1 euro, vous allez voir qu'on a construit la maison de la femme et la femme dort bien. Voilà, c'est une bénédiction. Tranquillement, tranquille. Pour les produits, une bourse. Donc vous n'avez plus de questions. Tranquille, oui, je me suis réveillée, j'ai pris mon bain, j'ai dit voilà, j'ai venu faire un direct au naturel parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas se montrer naturelles. Elles se cachent. Souvent, la montrons-nous naturellement, c'est important. Il n'y a rien de tel. Actuellement, là, je suis dans ma maison, j'ai mis mes pieds dans mon divan. Est-ce que je dois à quelqu'un? Je ne dois pas à quelqu'un. Donc, pourquoi venir me fatiguer? Hein? Oui, le numéro de Paris. Bon, je vais vous donner un numéro de Paris. Le 07 55 07. Attends, le 07 55 39 07 44. Ça, c'est le numéro du grossiste. Tranquillement, tranquille. Merci, Mariam Sissoko. C'est gentil. Non, moi, j'aime pas qu'on me dise que je suis belle. Non, ils n'ont qu'à laisser les gens dire « Lolo, tu es vilaine. » C'est bon. Parce que tu sens qu'il y a des personnes qui t'envient. Tranquillement, tranquille. Vous n'allez jamais me voir aller sur un poste de quelqu'un ou bien sur un direct de quelqu'un pour insulter la personne. Parce que dès l'instant que tu te mets à insulter quelqu'un, c'est que intellectuellement, tu es déjà à un niveau zéro. Tu te rabaisses. Tellement que tu as envie d'être à la place de la personne, tellement que tu envies la personne, tu détestes la personne, quand on va te demander, bon, la personne t'a fait quoi, tu serais incapable de dire, voilà ce que la personne m'a fait. Ou bien pour dire, les soucis de Lolo Beauté me dérangent. J'ai dit, c'est mon compte bancaire. Si tu meurs de faim, dis-moi, Lolo Beauté, montre-moi comment tu traces ton crayon, il est devenu riche, tranquillement, tranquille. Voilà. Brigitte, merci. Tranquillement, tranquille, Lolo Beauté, la go crayon. Ah, tranquille, on répond pas aux aigris.
Arlette, tu m'as écrit quoi et puis tu me dis de te répondre. Dis-moi ce que tu m'as écrit. Répète le numéro d'Abidjan. Ok. Le numéro d'Abidjan, c'est le plus 225, le 55, 02, pardon. Ange, ton numéro, c'est lequel? Plus 225, 47, 46, 44, 79. Tranquillement, tranquille. Ça, c'est le numéro d'Abidjan. Ah, tu me demandes, tu es dans quel pays? Je vis en Europe, je vis à Abidjan. Le numéro du grossiste à Paris, c'est le 07 55 39 07 44. Ça, c'est le numéro d'Abidjan. Driss, comment vas-tu? Tranquillement, tranquille. Mewa Suleiman, mon amour, comment vas-tu? Tu voyages pour présenter tes produits? Oui, quand je voyage, je fais mes affaires, j'achète les voitures. J'achète les voitures, je vends mes produits. Le Maroc, il y a ma soeur qui est au Maroc actuellement avec les produits. Je devais aller avec elle, mais comme ça coïncidait en même temps avec mon départ de Paris, donc je l'ai envoyé elle. Je vais vous donner son numéro de l'Europe. Tranquillement, tranquille. Oh, assez. Il dit quoi? Ok, bébé, je t'aime, je t'adore aussi. Je vous adore. Ah, eh. Ok, donc je vais vous laisser. Je ne vais pas finir votre connexion parce qu'il y a trop de gens. Ils sont fâchés comme ça matin. Ils sont fâchés comme ça. Mais on fait comment? On ne peut rien. Tranquillement. J'ai un teint noir. Je fais comment pour que ce soit brillant? Écrivez-moi en inbox pour passer votre commande. Voilà, toute la journée, cette vidéo sera là et puis après je vais effacer. La Lolo Gang Suleiman. Comment vas-tu? Oui, Vicenne, je suis là, t'inquiète. Patty me dit comme bon, pour les produits, écrivez-moi en inbox, je vais vous répondre. Aujourd'hui, je ne sors pas. Je suis là. Ma chérie, je vais garder. Non, la personne qui m'aime, moi aussi, je t'aime tranquillement. Maintenant, il y a des personnes qui m'écrivent en inbox pour dire « Lolo Beauté, j'ai besoin de conseils. » Vous savez, souvent aussi, là, je n'ai pas trop le temps. Quand je finis, je vais tourner dans mes affaires, comment remplir aussi un peu mon compte en banque. Donc, pour